Action ça passé dans la boule 12. Ou koné, gang si makak pa vle ou policier. Te gen un policier qui te sous moto dans zone là, la passé monté. Bon, m'pa konn ki côté l t'ap rale. Monsieur Timakak yo ou policier a filé monté. Rap yo moto machine, yo parti des policiers. Les policiers suspectent go machine qui est bandit là dans cap suivre li pèse gaz. Li lage. Monsieur tache derrière. Les rive en côté, li dévie monsieur yo, li cache colle, li rale téléphone, li rele l'autre policier qui était dans même promotion ensemble avec elle. Li dit monsieur yo, mon danger, dégagez-nous, vin sauver la vie. L'autre policier pas même tant autorisation directeur général la police là rapidement yo pon bakop yo taché amen juste là dedans yo monté dans la boule 12 yo descend dans fief ti makak yo prend policier a yo sauver la ville yo rentré dans base ensemble avec peuple haïtien ou pral ouais vidéo oui comment policier était content les arrivé dans base ensemble avec confrère yo vivant. Gentil proverbe créole l'a dit, déjà contre Mantikaba, ou pral jouen une vidéo. Mesdames, mademoiselles et messieurs, un citoyen qui te fait partie de base Pierre Espérance, à l'époque, témoigne. Monsieur expliquait dans bon timamite, comment massacre dans Delma 32, te monté en dedans espace RNDDH, oui, un espace qui défend droit moun. C'est ça, nous comprenons la plupart, non, non. Citoyen expliqué, les réunions t'ap fait pour t'al touye moun te gen divers sénateurs ak divers lot gros potomitan en opposition à l'époque qui te là. Pierre Espérance c'était nom depuis ses mouvements, depuis ses actions qui pour contrecarrer Jovenel Moïse, li te met se diffé, li te met se touye moun, li pas besoin qu'on ait la supporté depuis ses pour chete Jovenel. À l'époque, président Jovenel Moïse tap bataille pour comment pour yo faire référendum. Eh bien, pour contrecarrer référendum, nan, yo monte caravane. Monte yo monte caravane, neti ki bien ensemble avec yon sénateur qui te nan espace là, pral, sénateur sa pral rele neti. Et c'est dans moment, li di neti rete tan mwen, sortan de ya, caravane nan passé, li vide des journalistes à terre et touye un pile moun nan Delma 32. Si c'est moi-même qui di ou qui pa kwe, mon pral tan de déclarations citoyen. Pare la compliqué, oui, nan Montana. Mes amis, j'en ap gade un tweet là. Président Fritz, j'en fais qu'on est. Li saisi appli. Oh, oui, le pa président Montana encore. Ça passe. Ou pral jouen détail. Dans les chaises ou chita confortablement, fou que zami, et faut pas rentrer la caille ou c'est un plaisir. Tout ripotaï sa ou nan boti mamit sa retire et sans m'aide. Bonjour, bonsoir tout le monde qui j'anouye. Encore une autre fois, m'a dit ou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer. Et merci pour fidélité ou patience ou. Merci parce qu'on like. Merci parce qu'on abonne. Et merci parce qu'on partage vidéo. Ça fait nous plaisir. Encore une autre fois, si vous faites tomber sous channel là, pas hésiter à activer cloche notification pour là, pour pas rater aucune vidéo. C'est Zami Pao Foucault. Nous t'avons chance de présenter un petit compte aïe et compte ça qui c'était, Captain Dayeport. Merci à chaque fanatique qui t'a commenté, réponse dans ces balais. En bâti que crack pour nouveau compte, nous gagnons, faut lever rad moi pour un beau thème. Faut lever rad moi pour un beau thème. Pas hésiter à quitter l'élément de réponse par là dans le commentaire là. Ça fait nous plaisir. En pile, en pile. Gros nouvelle, mon amyo, bienvenue. C'est sous TAC 609 ou connecté n'importe côté où y est. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier, abonner, commenter, liker, partager vidéo à pour travail là, capable avancer. Zami Pao Foucault. Mesdames, mademoiselles et messieurs, j'en kemte annoncé ou action ça passé hier dans la boule. Je vais regarder vidéo ça, peuple haïtien. Il y a un policier qui était sous moto, selon premier élément information, yo. Policier, ça, qui était sous moto, et puis, c'est retel, senti qu'on groupe monsieur qui a suivi. Rapidement, le bras, pèse gaz, li lague pied, jusqu'à ce qu'elle arrive au côté, li fait appel ensemble avec l'autre monsieur qui était dans la même promotion ensemble avec elle, vient chercher parce que la ville en danger.
Eh bien, rapidement, papa, ici, policier, ça, ou même qui bat même ton Rod, directeur général, là, rapidement, yo file monte, yo allé chercher policier. Yo arrivé, yo prend policier dans fief Timakak, yo tourné ensemble avec vivant, béni soit l'éternel, yo rentré dans base ensemble avec. On nous suivre, les policiers arrivé dans base, comment yo étaient content, yo rentré ensemble avec confrère yo. On regarde vidéo ça ensemble. Même si avec nous là, le monsieur. Yo, mais nous le monsieur. Ça bon, il a prendre les affaires. Je ne passe le passé. Le monsieur. Venez. Allez, pour ça, mais yo. Nous prenons l'anneau Jésus, nous prenons. Oui. Et puis, on a besoin qu'on a fait au commandement des blanquettes. Oui. Et nous quittons la carte de commissaire. Et on a promis ce que nous prenons. Oui, nous prenons ce que nous prenons. Nous prenons ce que nous prenons. Nous allons quitter le policier. Oui, nous prenons. Nous la boule de l'autre prenons. Nous allons quitter le mouin. Oui. Oui, ok, frère. Oui. Waouh. Waouh. Félicitations, ti messieurs. C'est ça que les l'union vers la force là. Ou si nous avons volonté, pas capable de sécurité en dedans pays. Pas capable de sécurité. Donc, nous capables de comprendre la police, un petit problème. Confiance en soi. La police gon manque de confiance la kaeli. Et ça faut un pays arriver dans l'Italie là, pile bandit à gauche à droite. La police manque de confiance non. Félicitations, ti monsieur, m'espérer. Pour chaque grain citoyen qui est en danger, immédiatement vous passez un coup de fil, vous relez la police pour nous répondre présent. M'a caché d'où, c'est un bel bagay net dans la République. Bien aimé, nous gué ensemble avec nous là, Fednel, mon chéri. Donc, Fednel, bonjour. Ça passe, qui dernière nouvelle ou poté? Est-ce que vous venez avec détail toujours sous dossier Pierre Espérance? Vous connaissez magicien rival ou parlons ensemble avec population? Faire ça, justement, c'est pour nous faire le point sur un bagage qui est important. Waouh, moi content, oui, c'est très bien. Mais est-ce que ça veut dire que vous ne parlez de Pierre Espérance journée aujourd'hui? Mettez-nous sous coup. Nous avons toujours dit que Pierre Espérance est un son gangster, c'est un kidnappeur. Pierre Espérance, nous avons dit tout nom qui a gagné. Mais je ne veux dire là, et en pile, monde qui a caillé monsieur, témoigné que monsieur n'a pas qui pas conforme. Ah, c'est bien. Mais espérez que je ne jodi a ou vini ensemble avec preuve parce que plus passé des semaines ou a dit nous a vini à commun ou a vini à commun nous espérez que ou vini ensemble avec nous bien que ni ou ni Pierre Espérance c'est deux doigts parallèles. En tout cas en avance très cher. Pour un témoignage nous qu'a parlé dans nom Robinson et dans nom Sonnel. Vous attendez des autres qui passent la caille monsieur et puis tout planification, magouille des autres kidnapping, Marie-Rose Auguste du Sénat, depuis le kidnapping qui était fait sous Chelson Sanon, madame ça dans toute action malhonnête avec Pierre Espérance. Qui est-ce? Marie-Rose, oui. Et madame très usu, très intéressante, très sage là. C'est quoi l'histoire dans le pays, papa ici? Ah bon, c'est là ma comprendre, j'ai un proverbe créole l'a dit, j'ai un chat marché, c'est pas qu'on sale Kimberat. On avance, non, chef là. D'après, rappelez-nous que la faille, qui c'est bras droit Pierre Espérance, il a arrêté le Yokai, disant, mais commissaire Richemont, Gaba, il a arrêté le Tigouave, disant, mais commissaire Tigouave là. Mano, il a tendu dans le DCPJ, n'a pas le DCPJ. Commissaire gouvernement, demander pour une enquête qui fait sur Pierre Espérance. Plainte nous transférer dans le cabinet d'instruction. Après 1-2 novembre, nous allons prendre le certificat plainte là pour que suite nécessaire cabaille avec tout ça. Ah bon? La police dépose la patte sous bras droit de Pierre Espérance et puis le pas fait souffrir ça dans la République? La traque pour la VK était papa dans le pays ça.
Mais qui t'aime Zouno? La Pierre Espérance fait rapport dans le pays d'Haïti, ou qu'on est au niveau international, il qu'on débarque dans l'ONU, il pote rapport. Non, sans ça, est-ce que vous comptez à porter plainte pour lui tout dans le plus haut niveau? Donc, non, sans ça, nous-mêmes nous disons que l'international, l'organisation de l'homme international qu'on a financé Pierre Espérance, comme vous parlez, c'est pour alimenter gang, alimenter les qui a mis dans le pays ça, et ça fait nous tout dit que. Si monsieur Genzam nan men yo, ki rele nega gita yo, et pas responsable sa ka fait nan pays ya. Gon groupe ne ki alimente yo. Et souba sa, nous même nous tout dit que, nous pas vle youn la de yo mouri, parce que si yo mouri, yo pas capable témoigner de moun ki alimente yo, qui te kon di yo fait crime, fait des ordres, fait kidnapping, fait tout ça konnen yo. Et parmi moun sa yo, Pierre Espérance se youn la donne. Merci beaucoup, c'est ton plaisir. Mais kounya la, s'il vous plaît, ban nou tan de témoin ou genya. Donc, nous allons passer à Emmanuel Bissent, lui-même qui prend le barou, plus de détails sur Zach qui passe dans RNDDH. Et ensuite, nous allons entendre les deux voix. Et nous rappelons pour nous que le massacre d'Elma 32 qui était pour aller la vie Neti à Diego Charles, il est planifié d'après trois mounsayo, Mano Robinson et Sonel, dans la cour organisation RNDDH. Qui c'est une organisation criminelle. Ah bon, ça veut dire là, si je bien comprendre, RNDDH, qui c'est Réseau National de Défense des Droits Humains, c'est pas ça, je veux dire, mais c'est au contraire Réseau National de Défense des Droits Criminels. En avance, s'il vous plaît, nous comprenons très bien, très cher. Eh bien, je vous dis, nous prenons la presse par rapport de tout ça que nous tendez. Cap dit dans la radio, eh bien nous mêmes qui t'ai chance de organisation que nous t'ai fait partie de lui même qui t'ai qu'on fréquenté en dans local réseau national cap détruit droit monde qui c'est RNDDH dans ça que nous t'ai qu'on tendez pour planification massacre qui t'ai fait Delma 32 qui t'ai porté aller malheureusement deux jeunes journalistes. Ah bon oui, Antoinette Duclerc, Diego Charles, sans compter pile monde qui mourit dans Delma 32. Pierre Espérance de même fait qu'on est, c'était des massacres. Antoinette Duclerc, ensemble avec Diego Charles, c'était une, et puis, reste, c'était des, c'est pas de même monde qui touillait. Elle t'a dit, c'est pas de fantôme 509, mais au contraire, c'était Baz Pilate qui t'a touillé monde ça. Vous savez, Pierre Espérance, c'est qu'on s'en l'a réglé très, très bien dans la République. Mais, tant pis, dis-nous ça, où qu'on est, l'a très utile des CPJ, oui. Dans la planification de ça que nous avons entendu, c'est juste à cette époque que le président Jovenel a cléonné le référendum, non? Qui était arrivé à rabattre à cette époque par mouvement, contre qui était soulèvement qui était gagné contre l'IO, qui était venu reporter pour une autre date. Eh bien, c'est dans la date ça, juste dans toute planification qui était faite, par exemple dans le local RNDDH, que nous avons chance d'organisation qui nous participer, c'était juste pour planification, c'est juste un massacre. Et juste pour ça capable de tomber sous deux gouvernements, Jovenel Moïse là, à cette époque. Tale. Ça veut dire là, Jovenel Moïse te gagné pour le faire référendum. La lui venant date pour le faire référendum, non? Li pousse le. Li voye le non l'autre date. Te gagné manifestation 24 sur 24 à l'époque. Et dans le moment Jovenel arrive pour le faire référendum, non encore? C'est dans le moment ça, peu pas ici, yo commencé tout le monde dans la République. Ça veut dire là, c'est comme ça, monsieur, fait politique. C'est moun sa yo kap di nou, yo responsable de la moun nan pays, yo protéger de la moun. C'est yo même kap tout le monde pour faire qui ça pour lager sous deux gouvernements, sous prétexte, c'est yo même qui tout le monde. Yo, c'est yo même kap fait massacre dans le quartier populaire pour un pas fait dans le pays. Peu pas ici. Jodi, a faut qu'on ait mis ou yo bien, oui. On avance, citoyen. Eh bien, par exemple, nous sommes capables de citer, par exemple, dans différents types de rencontres que nous-mêmes, organisations, parce que c'était une question de faire de l'opération Volcan, ça veut dire que chaque monde assume dans la zone PAO. Si c'est lui qui a été dans la zone où, pour machine qui vient de passer juste pour contrecarrer le référendum. Par exemple, nous avons eu Don Kato, nous avons eu Chile Ludo, nous avons eu Guito Numa, nous avons eu Patrick Joseph à cette époque. Te gen monsieur Pierre Espérance qui c'est juste moun qui t'a accepté de toute sorte dit qui pour contrecarrer Jovenel dans local li bat bravo quel que soit en lieu ou pas gain prix. Vous comprenez bagaille yo?
Ou pral touye, li collabore. Ou pral assassine, li collabore. Ou pral vide l'huile nan route, li collabore. Est-ce que comprenne sa citoyen di? Hein? Caravane, chaque nègre responsable bloc ou pour faire des ordres, pour faire ma carte dans le pays, pour déstabiliser après son dit ce gouvernement. Est-ce qu'on comprend la politique pays d'Haïti à peu près ici? Ou ap touye moun, ou ap kidnappe moun, ou ap vide l'huile sous route, pour touye moun, et puis c'est pouvoir qui est responsable. Depuis ce vieux bagay ou ap fait, depuis li capable de contribuer pour retirer Jovenel sous pouvoir, bien espérance à vie. Li d'accord. Et puis c'est même moun sa encore, les moun sa yo fin mouri, qui pral faire rapport. Hache la vie sa yo. Hache la vie sa yo. Ok, citoyen, mais maintenant, expliquez-nous comment complot a été monté pour yo assassiner Antoinette Duclair. Ah, mais c'est dans le cadre de ça, massacre là, que qui te pote aller Neti et ensuite Diego parce que caravane pendant caravane n'a passé Delma 32 c'est planification ça et puis juste passer prend le fait que gon sénateur qui était gon disons ensemble avec Neti et puis juste ça le fait le camper et puis caravane tout passé et puis le pote aller deux jeunes journalistes ça. Ah bon, il était gagné rendez-vous ensemble avec un sénateur, ça veut dire sénateur Arelel dit le font titan moi et puis ce moment caravane n'a passé, il tout vide Antoinette Ade. Bon. Ou sot cité Don Gato en tant que sénateur qui te fait partie de l'équipe là. Qui te dans le local Pierre Espérance, nous t'ap monté plan, comment nous pral touye moun, comment caravane pral passe vide moun ate. Et non seulement ça tout, Don Gato te fait partie de même équipe ensemble avec Antoinette Duclair qui se matrice. On avance citoyen, comprenne tout bagay kounya. Nous même nous sati nous lésés par le fait que c'est la vie. Et ensuite tout, yon moun takou Pierre Espérance qui dit la défendre droit moun, mes amis. La presse qui te qui ses yeux ak zore société a jounen jodi a normalement depuis 17 avril n'a dénoncé. Jounen jodi a DCPJ qui fin tande depuis le 6 juin. Jounen jodi a jusqu'à maintenant, il dit l'enquête se poursuit. Alors que le 19 octobre qui s'est passé là, le 14 Pierre Espérance met pied dans DCPJ. Nous pas connait qui ça li dit. Eh bien, dans mercredi, qui ça va arriver? Dans mercredi, dans le matin, là que je recevoir un coup de fil, que qui côté mieux, mais DCPJ pour une deuxième fois, vient la caille, maman. Ah bon? Ou que t'as le témoigné dans DCPJ là? Le fin témoigné au sorti, et puis Pierre Espérance a allé d'ailleurs. T'as l'air, là que vous débarquez la caille, qui sont fait même? Eh bien, là que moi apprends que j'ai un Toyota Hilux, blanc, sans plaque. Et que monsieur était avec jacket DCPJ sous yo. Te gen un grand Cherokee, les machines nan délégation l'a déplacé parce que c'était trois monde qui t'entrer la caille là, yo t'a parlé avec arrogance, lourdement armé. Eh bien, machine grand Cherokee ça, te gen chasse, les autres bonne plaque qui te gen numéro plaque ça, m'gal ban nou la presse. Les moi même n'enquête pas juste vim que cap jeune menace parce que chaque jour normalement les mener enquête pam et puis bon moun Dieu soit loué qui mener enquête là côté pour le mener dans DGI dans circulation numéro plaque machine ça qui était dans grand Cherokee bleu marin ça n'a pas gardé là dans grand Cherokee ça c'était c'est numéro plaque un ancien sénateur malheureusement qui décédé que plaque ça c'est Avel qui était dans grand Cherokee bleu marin a été fait intervention monsieur Goup Gangza qui fait intervention la caille mercredi 19 octobre là. Eh bien c'était des CPJ bon cathédrale, c'était des CPJ bon cathédrale, mes amis, prend précaution dans la ria ou pas ici. Gardez dernièrement nèg qui habillé en uniforme la police yo débarqué dans base 47, yo prend 5 jeunes garçons et va ensemble avec eux. Yo rive non coin, yo touye jeune garçon yo, et puis yo mette di fe sou yo. Tandis que reste base dali même d'ap fè manifestation pour mande libération parce que la police arrête monsieur illégal. Et c'est nan manifestation ça, la police pral arrête journaliste dimanche, et puis l'autre journaliste yo pral débarquer nan commissariat. C'est là, et bien Romelo li même li pral perdi la ville, tandis que 5 jeunes garçons, c'est pas vrai la police qui te prend, c'était fait que la police yo tué monsieur. Est-ce qu'on comprend?
Donc, il y a là, il y a des CPJ pour la cathédrale, il y a la police pour la cathédrale. Bon, mais ça, mes papa ici, prend précaution. Ouais, je ne jodi, yo ka fin areto, priez pour ces bons policiers kareto, parce que de la police dans le pays d'Haïti. Et si citoyen ka fait comprendre que plaque machine, monsieur de CPJ, yo te débarqué la kaeli, c'était plaque machine, yon sénateur qui mourit, mes amis, non là, bagay la compliqué. On avance très cher. Par rapport de menace, nap jwenn, nap di a de CPJ, normalement. Par rapport de ça que nous t'a dit avec commissaire gouvernement, que normalement il dit de monsieur ça qui représente une menace normalement nous demander avec DCPJ normalement pour transférer dossier ça groupe gang 4 paka qui gagne monsieur Pierre Espérance qui dirige à parce que tout autant monsieur Pierre Espérance leader groupe gang là il bel et bien existé pour transmettre dossier à par devant le parquet pour capable faire suite li. En tout cas bagaille grave extrêmement grave dans pays d'Haïti peut pas ici. Nous espérons que des CPJ fait suite nécessaire ensemble avec dossier si là. Contrairement à ce qui a passé dans la capitale là, dans diverses villes provinces, population en panance avec bandits. Action ça passé dans la commune Tigroave. Population a déposé la patte sous yon volé. Yo kembel men nan sac. Yo filangé misye bien filangé. Après yo mette di fè souk. Te gen de individu nan jou passé yo, yon te gen yon manchette nan men, et l'autre la te gen yon biren ensemble avec yon couteau. Mais si sa yo ki tap essaye kase yon dépôt marchandise nan marché public Valiette, ki nan premier section communale, commune Tigroave, li te environ teze nan mate kon sa. Et bien frère et sœurs bien-aimés, population pendant la caille li tande nan marché ya ngon bagay ka tiko 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 divers moun dan débris ya yo cherche flash yo mobilisé pou yo al gade ki sa ka passé ki sa ka tiko tiko kon sa nan marché ya lè arrivé yo jwenn se de mesye kap kase yon dépôt bap yo déposé la patte sou yon et yo kembe l'autre la. Rapidement, yo cha cha cha, wesh wesh, misye, yo mette la tête, sortant ya, et yo cherche ti paille, yo cherche ti gaz, yo si me sou misye, puis yo fait barbecue, kabri sauté ensemble avec yon. Et l'autre là, yo dépose la patte sous li ya, li genye 38 l'année, li même li chape en bas kolè population. Yo pa tuel, li rele woni la guerre, population en marel, et yo fèl commencé parler pour le bail res baz la. Li di, la li fin kase de pou yo, zami sa yo sot touye ya, souvent, misye al van marchandise yo avec yon prix qui très très bas. Donc sou pa achete marchandise, se vole ou ap vole. Pas vrai, ou pas ta ka kon pri marchandise yo, ou pas ta ka van yo nan normal tout, parce que ou toujours konne, l'on fin van sa, ou ap toujours leve pour al kase l'autre toujours. Est-ce qu'on comprend? Mais malheureusement, gentil proverbe créole l'a dit, jou de ven nan de yon ou saisi ouè, let kaye kase tetou. Pendant vole ou ni la guerre, a bay explication de comment yon kon kase depo, c'est nan moment li pral cite nou yon lot volo ki rele Junior Senetus. Junior Senetus sa, heureusement, pou li nan moment li te getan chape pou li. Likite monsieur kap kase depoa et c'est au même population vin déposer la patte sou yo. Juge suppléant Valiette là qui c'est monsieur Delicio accompagné ensemble avec divers policiers tabral débarqué pour faire constat légal yo. Après constat rapidement juge là pral mette mandat derrière Junior Senetus. Nan yon ti tan ki tout coûte la police arrivait déposer la patte sous Junior. Et dernier coup pour tout yé coucou à peu pas ici. La police pral déposer la patte sous divers lot volo encore qui fait partie des bases là. Nous capables citer Dienor Sifrar ensemble avec Junior Prévillon. Monsieur qui fait nan Cavaillon, Junior ça nan département Sid Beya. Li vin rete nan localité qui rele Marose. Il était spécialisé dans casser caïmoun ak volo panneau solaire la police maritime.
dernier moment là, selon déclaration divers commerçants, dans marché Valiette, yo a monté yon masse wi fait pas derrière. Yo a connu un moment qui extrêmement difficile. Pendant plusieurs fois, dépôt marchandises cassé et des fois marchandises a yo volé. C'est l'argent pour ya qui nan men yo. C'est l'argent banque qui nan men yo. Les conseils yo obligé à vendre ti kabrit, vendre mo sauté pour yo capable payer dette. Donc, bravo ensemble avec la police qui t'est arrivé à temps. Et bravo ensemble avec population qui pas de peur, qui te cherche manchette li, cherche flash pour l'attendre qui sa cap tiko ou tiko là et yo arrive déposer la patte sous divers bandits. Mesdames, mademoiselles et messieurs, insolite nous pour journée aujourd'hui, j'en ai regardé image ça là. Oh my god, oh my goodness. Messieurs, ça ou regardé qui gè vest sous li ensemble avec ti chapeau dans tête li a, li rele Mohamed. Monsieur a gagné 2 semaines depuis le marié ensemble avec une femme. Femme ça qui est Richard, mais c'est après 2 semaines n'a vinn konnen, c'est pas une femme mais plutôt c'était un garçon. Il était rencontré ensemble avec Richard dans une mosquée dans pays Ouganda. Li marié ensemble avec Richard. Première semaine nan li pat ka aller dans relation ensemble avec Richard puisque Richard dit li gen règle li peuple haïtien. Li gen san, li pap ka ale nan relation ensemble avec Mohamed. Richard toujours gen ti kanson en bas jup li melonge. 2 semaines, li poko jom fon ti kouche ensemble avec Maria. Eh bien, ki sak passe, li nan kay, la fè manje tout bagay. Gon Claude, misye al traverse Claudia pou la vole bagay nan la kou voisin ki sou kote ya. C'est moment voisin qui était de loin, li wè madame Mohamed qui a traversé en tête mi. Rapidement le relè la police, il dit la police bon volé dans bloc là. La police débarqué peuple haïtien. Richard a ti pantalon en bas et puis gros kakol sou li pa en lè. La police qui débarqué gon femme qui pral fouiller mam sel parce monsieur a dit c'est madame moi. Donc, un policier pas ta ka fouye, mamzelle. Un policier, yo passe l'ordre pour fouye, madame. Pas ici. Pendant yo fouye, mamzelle. Le pèse tete, policier a foure mel nan soutien, li ralon paquet de bon chiffon la gâte. Ave dit le bagay tete. Policier a commencé suspect, la descend en bas pour fin fouye, monsieur. La policier a manye devant, li wè, madame Mohamed, devant, pas devant femme, c'est devant garçon. Li wè, ti sa kit, wè, sa m'dou la, de ti boule gren ensemble avec l'autre là, en lè, mais long, elle fait, oh, qui cause ça, pèse, pepa ici, c'est lè ça, mais si après le connaît, désolé, à Richard te Maria, c'est pas d'yom yon femme, mais c'était yon garçon. Même moment, yo toujours que monsieur yo allé ensemble avec dans commissariat. Mesdames, mademoiselles et messieurs, ou quoi c'est causé dans le monde? En pile nan nous qu'on est assis ça et qu'on lonely, I'm still lonely, I have no party on my heart. Voilà. Assis et qu'on fait qu'on est. Yon garçon, t'es droit gagner 15 femmes. C'est ça, bon Dieu, t'es vrai. Et comme qui se yon chanteur américain, li te invité dans yon émission qui relè The Morning Hustle, dans le pays les États-Unis. Li te tout profité moment, peuple haïtien, défendre polygamie. Li affirmé oui. Bon Dieu, t'es vrai pour chaque garçon. Gagné 15 femmes dans la vie. En pile garçon rete avec une seule femme parce que vous pensez les ou plusieurs femmes sont péchés, bon Dieu a condamné. Non monsieur, détrompez nous, c'est pas vrai. Chaque garçon te doit gagner 15 femmes et c'est ça bon Dieu te voulu. Et nous capables, bon Dieu créé 15 femmes pour chaque garçon. Et selon lui-même, bon Dieu créé volontairement plus femmes par ces garçons. Donc, c'est normal, pour yon garçon gagner plusieurs femmes,
contrairement à sa principe chrétien dit. Donc, mes chers fanatiques, s'il vous plaît, pas hésiter. Quittez commentaire par où, dis-nous ce que pensez des dossiers ça. Mesdames, yotou, commentez, dis-nous ça vous pensez. Atis la fait qu'on est, bon Dieu te vle pour chaque garçon, gagne 15 femmes. Bon, wa Salomon te gagne 1000, li marié à 300, 700 concubines. Mais c'était temps passé, les choses anciennes sont passées tout. Les choses sont devenues nouvelles. Donc, monsieur, pas hésiter, dis-nous sans penser des déclarations à Tisla. Ça fait nous du bien. En pile, en pile. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans Haïti, la République des coquets. Et c'est celle volée au caprété. Non, là, bagaille trop pour moi. Dans un tweet, président pays Montana, je vais regarder là. Li fait qu'on est, li saisi ouais, li saisi appli. Li ou elle renonce à statut président à Montana, mais c'est quoi l'histoire? Li pas comprendre. C'est lui-même qui président à Montana. Comment faire un petit groupe après l'école, dire aller choisir docteur, mais qui cause ça? Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, si à terre à Montana, yo choisi plutôt docteur, j'ai trop lui, j'en vais regarder l'image là, là, non. Là, gon problème peut pas ici. Gon concours docteur dans le pays d'Haïti, m'pok au cas comprendre. Nous avons un docteur sous pouvoir qui pas dit nous mourir, qui pas dit nous revivre. Il pas dit cimetière était vide, tout ça c'est un. Ou gué docteur moi Jean-Charles qui cherche un docteur. Vite mettre dans pays d'Haïti, il retire un docteur, le remplacer par un autre docteur. Il dit j'en faut comprendre faut docteur. Eh bien qu'on y a là, yon équipe siate à Montana aller chercher un docteur peuple haïtien. La traka pour la veka était pays malade. C'est docteur qui a fait cause dans le pays. Il a choisi docteur pour siéger dans le conseil de transition. C'est président parti indigène Stanley Junior Merizier qui a fait annonce dans une note qui peut date 29 octobre 2022. Mais ça qui dit dans l'être là peut pas ici. Nous, groupe siate à Montana, négociations politiques yo ak pouvoir ak institution étatique yo qui dysfonctionnel nous qui mab à Montana nous décider bien-être pays a et choisi docteur Jetro Luijan pour éviter absence volonté réelle à terre yo dans consensus large là à la draka pour la vecaitère. Et donc Jetro lui-même lui confirme oui. Yo te parlé ensemble avec pour me représenter groupe signaté à Montana dans HCT. Elle prêt pour servir la République, oh my god. Docteur Jetro, li di li son moun ki honnête, li sérieux et puis il qualifié pour travail là. Alors traka pour la vérité. Tout moun qualifié, tout moun honnête, tout moun sérieux. Côté Haïti dans tout ça, je ne sais pas peu pas ici. En tout cas, qui vivra verra, qui mourra kakara. J'aime toujours aimer dire, Haïti la République des coquins. Bienvenue dans Haïti pays spécial. Voilà, m'reci by vague. Papa ici, m'reci by vague. M'retire chapeau bien bas devant Haïti. Mes amis, gardez vidéo, gardez action, yon cabrit, son tête en camion, mes amis. Gardez vidéo ça. Oh! Non. Non, mais. Ou pas encore cabrit là, eh? Jean cabrit là, marcher Jean la lèse, sous tête camion. Toutes les dames disent, moi, cabrit ça? Cabrit moun dondon. Cabrit moun dondon. Oui. Agdouli, c'est bon cabrit. Agdouli, c'est bon cabrit. Non, parce que, papa ici, c'est bon. Moi, même si monte là, m'fait 30 secondes, tête, moi, je vais virer, m'a saute tombé, puis wap gade, Jean cabrit là, teke là, oui, Jean cabrit là, à l'aise. Non. Cabrit la rete sous tête camion, hein? Tant que c'est l'embralé la ville, et puis monte bus mon repos. Et pour pas jouer une place, à chaque fois chauffeur après le démarrer, gon jan wap cherchon côté pour corre pio ou pas saut tomber. Et puis gade poste cabrit la sous tête machine. À la traka pour la vekaïté papa. J'aime toujours aimer dire Haïti dictature, c'est l'appel des Antilles. Haïti démocratie, c'est la république des coquets, c'est le volet au cabrité qui vivra verra, qui mourra kakara. N'a fait place à voix de l'Amérique pour information nationale et internationale. Mandez-vous casser dans un petit temps qui pas trop long.
Monsieur Dame, bonsoir, l'autre fois encore. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer. Actualité a mené nous d'abord dans le pays d'Haïti, côté ensemble association médias traditionnels avec association journalistes haïtiens et médias en ligne. Yo Apchita parlé jeudi, semaine ça, sous acte brutalité avec assassinat qui fait sous journaliste subi en bas main la police. Correspondant nous, Renan Toussaint, gain détail. Dans le moment où gang armé fin contrôler tout point entrée Port-au-Prince, que ce soit Matissan, La Boule, Canaran et Croix-des-Bouquets, la police haïtienne annonçait l'y arrêter six présumés églindos parmi eux, Alexis Daniel alias Ti Daniel, lundi 31 octobre 2022, dans la localité Macari, 3e section communale, Marigot, département sud-est pays d'Haïti, suite à Campil plainte qui gagne rapport à assassinat, tentative assassinat, vol armé, braquage, détention illégale, zamafé, avec association malfaiteur. Deux parmi six présumés bandits, Alexis Daniel, ak Soifet James, avré, yo touye, Olis, Marseille, ak Panseli, Bonjour, ak yon pistolet, ak yon zam artisanal, qui tire cartouche 12. Pendant ce temps, sous initiative UNESCO, plusieurs instituts organisationnels qui liés avec la presse, tant qu'à Association Nationale Média Haïtien ANMH, Association Média Indépendant AMI, Association Journaliste Haïtien AJH, Collectif Média en ligne CML, avec divers slots, annoncé une rencontre jeudi 3 novembre 2022 sous sujet qui a rapport avec violation des droits journalistes en Haïti, qui souvent victime brutalité policière et assassinat. En pile observateur, quoi, problème insécurité, journaliste cap victime en bas la police, tout mandé une volonté politique pour éradiquer genre des situations sérieuses dans la société haïtienne. Sous base ça, un nouveau appel compromis solidarité pour démocratie et développement solide lancé entre regroupements partis politiques, mouvements politiques, anciens sénateurs, anciens hauts fonctionnaires l'État, directeur général et ministre et organisation sociale. Ancien sénateur Nenel Kassi, quoi, tout acteur politique, acte social, secteur des affaires, acte représentant organisation société civile active là, doit engager sans délai sous voie une entente inclusive pour sortir pays d'Haïti dans l'isolement social et économique là. Renan Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Merci Renan. Fon dit que le monde continue à lever la voix contre brutalité que journaliste a subi, gagnant qui prend bâton, gagnant qui subit zak assassinat et c'est tout pas protection, comité pour protection journaliste qui continue à faire rapport sorti sous et journaliste qui victime à travers le monde. En plus, journaliste travaille à la presse, pas suspendre mourir à travers le monde dans le cadre d'exercice professionnel. Puis près nous là, dans le pays d'Haïti, dimanche qui s'est passé là, un journaliste Romelson Vilsin qui mourit dans un incident dans un commissariat de police. C'est dans le même moment ça, tout que le comité pour protection journaliste publié un rapport sur indice mondial impunité pour l'année 2022 qui fait qu'on est plus fort assassin journaliste à circuler libre et libre sans qu'elle saute. D'après le rapport ça, 80% dans 263 cas journalistes qui assassinés à cause de travail pendant 10 dernières années qui sont passées là, oui, assassinat n'a pas subi aucune sanction, la justice n'a pas dit rien. Somalie était le pays qui est le plus délinquant dans le domaine pour une 8e année affilée. Syrie, Soudan Sud, Afghanistan et Irak complètent dans l'autre pays qui est le plus coupable dans le rapport ça qui couvre la période 1er septembre 2012 pour arriver 31 août 2022. Il y a pile pays qui fait progrès, comme ça tout gagne pile pays qui montait selon rapport CPJA. En Haïti, inspection générale police nationale là ouvert une enquête pour identifier coupable dans la mort journaliste Romelson Vilsin pendant que enquête sur la mort journaliste Jean L Dominique toujours été bloqué dans le pays d'Haïti. Donc, son rapport bien long qui fait sous 10 dernières années, sous journaliste qui mourit et que toujours gain impunité dans le cas journaliste yo, et nous rappeler cas Jean L. Dominique avec plusieurs autres monde, l'autre journaliste, en pile l'autre confrère, travail de la presse qui mourit. Et puis, réaction continue à tomber après assassinat homme d'affaires et Jean, on a parlé de Éric Jean-Baptiste. Nous parlons de Gonaïve à correspondant nous, Exalus Mergedin.
Assassinat homme d'affaires Éric Jean-Baptiste, qui était en même temps politicien, secrétaire général, parti politique, Rassemblement démocrate nationaux progressistes et ancien candidat à la présidence pendant le week-end passé, c'est un groupette pour secteur privé affaire à pour pays en général qui perdit un fils authentique. Li. C'est en tout cas opinion président Forum économique et social, secteur privé évangélique là, Nagonaïve, Maître Rémus Régis. Forum économique et social du secteur privé évangélique au Gonaïve et a constaté depuis 22, depuis janvier 2022 jusqu'à nos jours, côté que il y a une augmentation de sécurité dans le pays. Côté que nous avons gardé en pile monde, a kidnappé en pile monde mouru et en pile monde qui ont assassiné et même ont tenté d'assassiner. Au niveau de la ville de Gonaïve, il y a des gens qui ont tenté d'assassiner et ce sont des entrepreneurs. Côté que yo qui victime dans face ça et tout récemment nous avons enregistré un cas côté que des grands entrepreneurs de la ville qui étaient kidnappés l'ancien délégué de la ville de Gonaïve Joseph Amizial et jodia et n'a gardé côté que yo l'autre entrepreneur qui victime bien que c'est pas dans ville Gonaïve dans capitale là qui c'est un homme politique à savoir monsieur Éric Jean-Baptiste et c'est une grande perte surtout dans le secteur privé des affaires en Haïti. Président Fespegla qui, yon l'autre côté quoi, assassinat ça, bien conséquence, c'est tout, sous marché travail là, mandé pour tout secteur dans vie nationale là, mettez la tire ensemble pour joindre une solution à diverses qualités problèmes qu'ap saccagé pays a. C'est un mauvais signal pour pays d'Haïti, côté que c'est ça que nous vendons comme culture. Et dans le domaine ça, côté que c'est l'insécurité et sous toute forme. C'est pas Jean-Baptiste qui problème non, mais ce qui est problème non, c'est conséquence de la mort de chaque entrepreneur qui mourut et ouais combien moun yo qui était dans le groupe, combien moun yo qui était dans le chômage. Assassinat homme d'affaires Éric Jean-Baptiste, c'est résultat impunité qui gagnait dans le pays. C'est opinion maître Michelet Dorgil, responsable MEDA droits humains qui condamne Zaksa qui d'après lui, c'est un crime de trop. Son acte criminel que MEDA droits humains condamné, pas seulement Éric, actuellement à Port-au-Prince. Il y a plus que 7 personnes qui ont mouru chaque jour. Face à la criminalité qui a pris pied dans le pays, responsable MEDA qui dit le compte occupation d'une force étrangère, toutefois prononcé en faveur d'une assistance militaire, il dit qu'il pouvait aider la police combattre banditisme dans le pays. Exalus Mer Jeuna, Gonaïve, VOA Creole. Et puis toujours dans question insécurité, ça tourne un phénomène social côté que gant en pile monde qui obligé quitter la caillou à cause et phénomène insécurité, c'est comme ça plus passé 90 000 monde obligé courir quitter la caillou à cause zak violence gang yo. Kounya li ap viv nan la rue. Sandra Lemaire gen détail sous situation réfugié sa yo. Plusieurs mois après gang yo fin prend contrôle quelques quartiers dans Port-au-Prince, famille qui était obligée d'abandonner Kayo continue à vivre dans conditions terribles dans abri qui éparpillé tout partout dans la capitale haïtienne. Il y a un affaire de 96 000 moun qui courent quitter Kayo dans Port-au-Prince d'après Organisation internationale migration Nations Unies OIM. Pendant ce temps, pays a fait face à une crise qui est tellement grave, gouvernement a demandé assistance communauté internationale là. OIM dit Zak violence gang yo débouché sous raquette, kidnapping ak lòt zak criminel dans un contexte inégalité sociale et puis raté produit premier nécessité yo. Jean-Louis Casillas expliquait pour qui ça li quitté Kaili. Après que me fait ça pas rentrer. Et puis même la calame ça pas comme ça, et puis me camper ma forte pour avoir mauvais pas de Kaila. Je vais faire zip. Je me suis regardé. Je me suis dit, fais ça. Je me suis rentré là, je me suis rentré là encore. Je me suis là encore. Yo estimé gang yo contrôlé 60% Port-au-Prince. Yo violé les femmes, timoun et garçons. Yo mette du feu dans la caille pendant yap essayé contrôler plus territoire. Sylvia Bazlet, 56 ans, a vécu dans le parc au Beau-Chavez là, qui est situé tout près à l'aéroport. De la cala coup de balle pour caille là on y a nous tout à courir et on a couru saute de on tout couru saute de on petit petit qui saute travail et quand on saute travail là pendant la vini il saute la vie pour ban moi et quand la vini pour un balle coup de balle des mi Bazler a vive dans comme ça depuis 3 mois.
tombé là, la pluie tombé, chercher na chercher petit côté nous met nous était et chercher une petite dor nous mettait à terre pour nous coucher. Toute la pluie passée et la pluie passée encore pour nous prendre vieille toile, vieille rade, nous pour nous chercher encore pour nous coucher à terre encore. Guerline Toussaint expliquer qui Jean la vive lui-même. Moi, je n'ai pas de problème parce que je suis la pluie là, obligé avec Simon. Je ne suis pas de côté pour dormir ensemble avec eux. Je prends la pluie, je prends le soleil. Je m'arrête de taper ça là. Dimanche, la police est venue pour craser. Je ne suis pas de la pluie avec eux. Je suis obligé de m'arrêter de taper là. Je me couche en bas de taper ensemble avec eux. Je n'ai pas de problème. Je me suis dit que Haïtien a prédit pour survivre dans le temps au raté gaz sévère tout. Mais sous ça, épidémie choléra a baïgo qui a sauté. Gouvernement a demandé assistance aux forces internationales pour combattre gang puissant G9 là, qui bloquait principal terminal pétrole Port-au-Prince-Lan-Vareux. Communauté internationale a envoyé machine blindée by Haïti ensemble avec l'autre équipement pendant semaine qui passait pour aider augmenter capacité police nationale là pour combattre gang yo. Cependant, Conseil sécurité Nations Unies pour voter sous demande pour troupes yo. Sandra Lemaire pour VOA Créole, Washington. Merci Sandra, et sous même dossier à États-Unis été engagé vis-à-vis appui pour peuple haïtien et il continue à discuter sous résolution Conseil sécurité Nations Unies. Ces déclarations porte-parole la Maison Blanche Karine Jean-Pierre lui fait commenter ça yo pendant dans avion avec un paquet journaliste avion présidentiel en parlant de Air Force One pendant il était en route pour aller Floride côté président Joe Biden prend le gain pour l'assister à plusieurs événement où sauver au Créole ou suivre un programme en langue créole haïtien. États-Unis, élection mi-mandat fixée pour mardi 8 novembre, Cap Vinila. Nous prenons dans Floride avec les journalistes Gentil Augustin Junior. Depuis 24 octobre 2021, séance votée Bonneau a commencé dans le pays États-Unis avant grand élection 8 novembre Cap Vinila. Volontaires, membres parti politique, dans le centre vote, pour encourager électeurs yo choisi candidat pa yo. VOA Creole te parlé ak yon responsable volontaire parti démocrate la nan plantation. We're having a lot more voters coming in. Nou gen an pile électeur k ap vini. Gen an pile bulletin vote nan la poste yo. Ke yo certain ap voye bay superviseur élection yo ici la. Li vraiment difficile pour déterminer ki pourcentage yo ye. Kounye ya, li semble ke démocrate yo yo ti krase devant nan bulletin vote yo. Cap sorti la poste contre républicain yo. Mais chaque jour ça toujours a changé. Ça c'est pas une élection normale. This is not a normal election. VOA Creole demande comment li wè tendance lan pour candidat démocrate yo dans élection. Li te répond nous comme ça. Li pral yon résultat très serré. Nous pas certain dans moment ça. Républicain yo gagne un avantage et li dépend de participation yo. Comme li toujours dépend de participation yo. Et puis, ta ka gen yon gros quantité électeurs qui pa arrive nan bureau vote yo. Pile nan yo gen doit pas di nan sondage yo ki jan yo ta pral vote. Et c'est comme ça nous ka saisi. Yon volontaire parti républicain qui était sous même site ça, t'es parlé ak nous. It's been light, 600 people. Environ 600 moun te vini chaque jour pendant 3 premiers jours yo. Et puis pour 5 autres jours, moi pensais seulement 500 est venu. Mais hier, 600 est venu encore. Nous pensais ça. Moi vraiment espérer n'a gagner. M'a travaille pour aider comme volontaire. Voter Bonneya a fini dimanche 6 novembre. Grand élection c'est pour 8 novembre 2022. Gentil Augustin Junior, Miami pour la Voix de l'Amérique. Et VOA Creole à présent pour faire nous vivre tout grand moment dans l'élection mi-mandat qui représentait un gros enjeu politique ici aux États-Unis. On apprête toujours une actualité concernant les États-Unis. Et bien, organisation Trump dans le tribunal de Manhattan, New York, un procès criminel que la justice a mené contre eux pour fraude fiscale. Peut-être qu'ils n'ont pas payé impôts. Valério Saint-Louis depuis New York.
Équipe avocat cap défend l'organisation Trump l'a arrivé dans le tribunal de Manhattan, New York, hier lundi 31 octobre, pour bail déclaration. Il y a un procès criminel que la justice a mené contre l'organisation, hein, pour raison fraude fiscale, qui voulait dire pas payer impôts. Maître William Brunel, pendant que la pentrée dans le tribunal, elle a dit qu'elle souhaitait que le premier jour jugement a bien passé. Un journaliste demandé, qui sont vle jury à qu'on est? Il répond, fuck yo gis. Procureur dit que gen deux nan compagnie ancien président Donald Trump là qui trompé autorité yo nan gestion bien immobilier yo pendant une période 15 années rivé juste en 2021. Mais avocat cap défend compagnie yo même yo té carrément la guéchaille là sous ancien officiel chef finance Allen Wesselberg qui lui même t'a travaillé pour Trump pendant un pile temps. Avocat yo accusé, il yo dit il trahi compagnie et puis monsieur vin vicieux. Bon côté pa yo, procureur la justice yo déclaré que Wesselberg pas de bail l'état bon genre rapport sous avantage avec bénéfice que l'té joine. Tant qu'au loi et gratis location belle machine avec l'autre bonus toujours. Procureur te dit que Donald Trump lui-même personnellement t'est payé pour l'école privée petite Wesselberg yo. Wesselberg lui-même t'est déjà plaidé coupable et t'est d'accord pour témoigner devant la justice en échange pour une sentence prison 5 mois seulement. Dans déclaration li, avocat qui fait payroll pour compagnie Trump là, Maître Michael Vandervin, t'est dit que Wesselberg t'a agi pour compte lui dans propre intérêt propre tête lui. Wesselberg t'est fait pour Wesselberg, c'est ça l'té dit. Avocat a poursuivi pour dire avarice t'est fait tromper l'état sous question impôt yo. Li caché avantage que l'te joint dans mes patrons li et puis li trahi confiance qui t'est bâti sous presque 50 années. Prosecuteur l'état Susan Hofinger t'est dit pendant que ancien chef financier t'est youn nan premier bénéficiaire yo, complot a pi gros passé. Li dit que compagnie t'est bénéficié tout nan fake exécutif la content et puis comme ça compagnie fait économie sous payer impôt yo. Tout monde t'est bien joint ici là. Naturellement tout monde sauf autorité l'état yo qui supposé collecter impôt yo. C'est ça prosecuteur t'est dit. Si organisation Trump la ta arrivé joine une condamnation li, li ka gen pou le payer yon amende jusqu'à 1.6 million et puis ça ka vin pi compliqué pour organisation continuer faire business. Donald Trump li même pas accusé personnellement dans cas ça, mais c'est yon ka parmi plusieurs autres problèmes légal ka augmenté sous doli et que la gen pou le faire face avec yo pendant que la garder pou le s'il ta ka retourner comme candidat encore pour président. N'a précisé que procès criminel ça différent de l'autre procès civil 250 millions de dollars que procureur général New York a été déposé devant la justice dans mois septembre nan, qui t'est accusé Donald Trump, toi nan petit li yo, ensemble ak compagnie li yo, parce que yo bay menti sous valeur bien immobilier ak valeur total l'argent Trump déclaré nan banque ak compagnie assurance yo. Tout des unités nan organisation Trump yo kap jere hôtel ak terrain golf à travers le monde te plaidé non coupable de accusation sa yo. Ajouté à ça, Donald Trump a fait face tout ak yon enquête criminelle fédérale sous document gouvernement que l'ta retiré nan Maison Blanche lan. Yon verdict unanime obligatoire. Ça veut dire faut que tout jury yo ta voté pour bail même sentence là pour que organisation Trump là ta joindre condamnation sous chaque accusation fraude fiscale, complot pour fraude ak faux dossier business devant l'état. Jugement compagnie Trump là pour poursuivre et VOA Creole a suivi pour vous. Pour VOA Creole dans New York, Valerio Saint-Louis. Merci Valerio Saint-Louis, nous prenons le cognac dans le pays Brésil parce que depuis dimanche, Luis Ignacio da Silva alias Lula tournait président élu et Brésil li prend devant ou bien li remporte la victoire sous président actuel là, Jair Bolsonaro, qui est même finalement Jodia li prend la parole. Monsieur Bolsonaro nan yon adresse tout court li fait, li di il pas féliciter Lula tant qu'on en pile monde ta capable attendre, li pas d'accord non plus que gagne élection sans pas contester tout élection, hein. Li ont ti Jean veut rester neutre et li dit que li même la suivre et constitution et ou senti tout que nan en pile monde cap et analyser dit que et li pa yo pa quoi que Jair Bolsonaro pral ontijan facilité et transfert pouvoir tant coup ça doit fait. Donc Lula lui-même et Luis Ignacio da Silva alias Lula qui cal est en coup capable là et Jair Bolsonaro président sortant extrême droite et ben lui-même il prend la parole grand pile monde qui t'a pas attendre et que il prend la parole mais en silence je dis à et mardi depuis dimanche lundi il fait silence tout le monde t'a pas attendre et puis je dis à finalement il parler sans le pas féliciter Lula sans le pas et d'accord que le perdu il dit que lui-même l'a suivre constitution pays. Donc Lula lui-même il peut commencer un nouveau mandat le 1er janvier 2023, ça pratiquement c'est pour un troisième mandat, c'est pas un derrière l'autre, mais il peut commencer un nouveau mandat et Lula dans déclaration qu'il te fait, il dit que il peut unifier Brésil. Pendant ce temps, quelques haïtiens qui vivent São Paulo, ils ont même réagi sous victoire Lula da Silva et nous gagne Chesley Jean-Baptiste qui trouvait dans Brésil qui te parlait à quelques haïtiens.
Haïtiens qui vivent au Brésil, féliciter victoire nouveau président et souhaiter accomplissement promesse Lio. Et nous, c'est certain, et même je nous attendons, nous croyons que le président Lula a apporté un changement. Nous pas dit qu'il a apporté un changement 100% et pour nous, étant immigrants, mais nous, c'est certain, et Jean Sapé, la papier, a amélioré, même je nous dis, dans la campagne, il a dit hier soir, il a pris le travail contre la corruption, il a pris le travail contre le racisme et il a pris le travail tout pour tout le monde qui a le même droit dans le pays. Et nous sommes certains, nous-mêmes, nous avons goûté pour que nous voyons comment les immigrants ont gagné l'autre structure de vie. Nous avons goûté tout pour nous voir comment nous avons aidé dans tout sens à travers notre nouveau président qui est monté là, qui est Lula. Et selon l'expérience, nous avons fait une expérience dans le gouvernement Lula. Nous trouvons que le pays a été plus bien marché et à tous les niveaux. Alors, dans l'entrée Bolsonaro, le pays ça, nous avons une adéquate. Pour raison ça, nous trouvons que le retour de Lula sur le pouvoir et peut-être qu'il y a une autre chance pour le Brésil encore. Selon responsable Luis Ignacio Lula da Silva, doit investir dans fonction li comme président 1er janvier 2023. En attendant, l'abgé pour former une équipe transition pour préparer terrain avant passage sur pouvoir. Chester Jean-Baptiste, VOA Creole, São Paulo, Brésil. Merci Chesley, n'a pas rappelé que et Luis Ignacio da Silva alias Lula remporté élection yo à 50,9% voyo alors que Jair Bolsonaro li même li gain 49,1% et Bolsonaro dit jodi a que contrairement à que adversaire là parlon menon et ben li même l'a respecté constitution. Et nous allons parler immigration avec Jean-Robert Philippe et garde frontalier américain tiré à balle en caoutchouc pour couper immigrants qui ont cherché à entrer aux États-Unis pour demander asile. Jean-Robert Philippe, vous avez suivi de très près pour nous. Vous avez parlé de Venezuela et jodi a gen bal en caoutchouc qui tire. Dis-nous plus. Oui, définitivement, l'administration américaine a son pinga bay tout immigrant, surtout vénézuélien, qui a cherché à entrer sur frontière de façon sans document légal. Et il garantit que si vous essayez de entrer sur frontière, eh bien, il y a proof lié au Mexique. Et menace ça, tout le fait, tout, dans le moment que immigrants vénézuéliens, tout, avec l'autre, qui se dit dans l'autre pays, tout, eh bien, ils ont essayé, ils ont manifesté même contre politique, nouveau politique que les États-Unis mettent sous pied, qui visait et refouler les Vénézuéliens au Mexique, pendant qu'il n'a pas accordé autour asile si et seulement si ils entrent aux États-Unis par voie aérienne. Manifestation déroulée lundi 31 octobre là, dans le sud de Juarez contre nouveau politique États-Unis mettait en place contre Vénézuéliens qui cherchaient à rentrer aux États-Unis sans document légal. Manifestants yo a demandé autorisation pour rentrer aux États-Unis. Vidéo agence nouvelle Reuters publiée montrait immigrants yo t'a traversé fleuve Rio Grande pour aller bon côté États-Unis mais te faire retrait les gardes frontaliers ont utilisé balles en caoutchouc pour couper yo. Tachira Elias Puente Segura te recevra un bal nan kou avec Nando. Li déclaré. Dentro del río me dispararon y me dispararon una vez y otra vez y otra vez. Il recevra bal la pendant li te campé nan rivière. Soldat yo tiré sou mwen plusieurs fois pendant mwen te campé nan rivière. Se yon van capon kap maltrete nou a cause nou pa gen zam, nou pov et puis nou se travaye. Nou gen dwa même avec tout l'autre monde, mais façon yo akeyi nou an pa bon. Immigrants ont un drapeau vénézuélien, mexicain, hondurien, avec un maman drapeau américain que l'artiste Roberto Marquez a préparé et qui a écrit faire ça, il y a une cité. C'est nous-mêmes, immigrants, qui construit les États-Unis. Sacaron armamento, empezaron a disparar. Las cosas tampoco son así, nosotros no somos animales, nosotros somos seres humanos. Yanieri Hernandez, un autre immigrant vénézuélien, déclaré, yo rale revolver yo et yo commencé tirer sur nous. Li pata doué comme ça. Nous pas animaux, nous c'est chrétiens vivants. Nous voulons aller aux États-Unis pour nous travailler, pas pour nous faire mauvais bagaille. Nous passé plusieurs jours à dormir tant que animaux. Mexicains yo aidé nous joindre manger, rade, souliers avec drap pour nous couvrir.
Mois octobre passé, aux États-Unis, a annoncé plan pour accueillir jusqu'à 24 000 immigrants vénézuéliens à condition qu'ils aient un monde ou bien une organisation qui patronne et puis qu'ils arrivent par voie aérienne. Raison, c'est pour diminuer la quantité d'immigrants qui arrivent sous frontière chaque jour à cause de problèmes économiques qui ont gagné la caille. D'après la nouvelle politique là, que les États-Unis avec le Mexique préparé, les États-Unis a refoulé au Mexique tout immigrant vénézuélien qui cherche à traverser la frontière illégalement pour demander asile. Une politique groupe qui a défendu les immigrants, tant que Human Rights Watch, critiqué. Un message, ministre de sécurité intérieure Alejandro Mayorkas écrit sur compte Twitter, il déclarait tout le monde qui essaie de traverser les frontières illégalement, eh bien, il a refoulé au Mexique et il n'a pas qualifié pour entrer aux États-Unis à l'avenir. Le monde qui suit la procédure légale, eh bien, il a une opportunité pour voyager en toute sécurité et puis qualifier pour travailler dans le pays. Les immigrants ont construit une série de tentes tout près du fleuve là avec espoir qu'ils sont capables de rentrer aux États-Unis. Dans l'année qui passe, il y a 7 millions 100 000 immigrants vénézuéliens qui participent au pays, d'après les données des Nations Unies publiées. Les immigrants ont couru quitter le pays après l'effondrement économique et social du Venezuela, un pays qui était riche en pétrole. Jovel Philippe, VOA Creole, Washington. Je vais demander pour retirer la Russie dans toute organisation mondiale pour peut-être l'écraser l'infrastructure. Serge François Michel. Autorité dans Ukraine mandé pour la Russie pédi place dans l'organisation internationale yo après force russe te lancé attaque sur infrastructure dans plusieurs villes dans Ukraine. Porte-parole ministère affaires étrangères Oleg Nikolenko dit jeudi matin la Russie t'a doué dehors dans groupe nation G20 yo, et que yo t'a doué annuler invitation président russe Vladimir Poutine pour sommet G20 en mois ça en Indonésie. De l'autre côté, force spéciale Afghanistan yo qui t'est groumé ensemble avec troupes américaines et après ça, t'es jeté en Iran, après retrait tête chargée États-Unis l'année passée, qu'on y a l'Amérique a recruté pour goumen en Ukraine. C'est ça, trois anciens généraux afghans, dit agence nouvelle Associated Press. Et on dit, Russie voulait attirer des milliers d'anciens combattants élites Afghanistan pour mettre dans une légion étrangère qui offrit un salaire $1,500 qui au poil toucher régulièrement avec promesse pour rejoindre sécurité pour eux-mêmes avec famille pour éviter déportation qui date tourner en Afghanistan. À côté, ils pensaient au poil joindre avec l'homme en bas main taliban. Yon parlementaire dans le Congrès États-Unis a rapporté dans le mois d'août passé qu'il te avait dit que gain danger, comme quoi commando afghan qui te recevra entraînement Navy SEALs américains à BRV États-Unis, gain information sous tactique États-Unis que au takabay groupe État islamique là, Iran ou bien la Russie ou bien Goumen Pouyo. Michael Molloy, un officier retraité CIA qui a servi dans l'Afghanistan, doutait que Russie a convaincu un pile commando afghan pour aller gommer dans l'Ukraine parce qu'il est plus intéressé pour faire la démocratie marcher dans le pays payo au lieu de prendre l'argent pour aller gommer pour l'autre pays. Serge François Michel, VOA Creole. Moi, je vous remercie parce qu'on t'a suivi avec attention. Merci pour fidélité ou patience. Moi, je vais aller m'apprêter ou non, bravo, papa, bon Dieu. Parce que c'est lui-même seul qui est capable de protéger ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas moi, c'est Foucault et n'a pas croisé dans l'autre vidéo. Au revoir à la prochaine. Bisous, bisous, one love. Rendez-vous cassé. C'était Pita, 2 heures, ensemble avec Yannick pour mon éditorial. Déjà, bon mercredi et bon fin de semaine. M'ramasser paquet, moi. Cause, habitant pas misé la ville. M'bralé. Mais, ma p'kito n'a bra papa bonji, parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger ou, ba ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde, n'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.